Parce qu'à ce niveau-là, il rigole pas, hein. Ouais, je crois. Ouais, je... Ça va le faire. Oh, c'est trop bien, ça me fait trop plaisir d'entendre ça. Je suis trop fière de toi, Boris. Et du coup, il y avait autre chose que tu voulais me dire par rapport à ça? De quoi? Quand tu m'as appelé tout à l'heure, t'as insisté pour que je vienne et tout, donc... Ah oui, non, c'est bon, c'est bon. Bah tu m'as fait venir ici un samedi matin, je trouve ça. Tu pouvais pas me dire ça au téléphone. J'ai quelque chose à te demander. Bah dis-moi. Tu crois que je pourrais avoir mes chances avec toi? Comment ça, t'as des chances avec moi? De quoi tu me parles là? Ben, nous deux. En couple. Enfin, pas en amitié, en couple. Ben, nous deux, si ça pouvait marcher. Mais en fait, il nous manquait quelques retours de certains organismes de l'État. Nous avons tout reçu la semaine dernière et il se trouve que la dette de votre tante pourrait être plus conséquente que prévu. Et ça fait combien en tout? Le remboursement s'élève à 55 000 euros. Quoi? Mais je sais, mais votre tante a bénéficié d'une aide remboursable à la succession. On ne peut pas y échapper, je suis désolé. Mais avec ma femme, on n'a pas les moyens! Et cette maison, c'est tout ce qui reste de ma famille! Je ne sais pas quoi vous dire, je vois ça régulièrement. C'est fréquent chez nous. Hugo Poirot, au bout du fil. Oui, comme le poireau, mais avec un O à la fin. Ça va, je ne vous dérange pas. Oui, on s'était vu à l'audition. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Brun, les yeux verts. Ah, j'ai pas dû vous marquer alors. D'accord. Bon. Bon, écoutez, je vous rappelle concernant mon interprétation. J'ai bien réfléchi. J'ai fait tout le casting dans ma tête ce matin. Mais je me suis dit que je pourrais faire une autre venue. Bah, mais avec une interprétation plutôt british. Et puis comme je parle anglais, je me suis dit que ça pourrait peut-être... Ah. Je ne colle pas. Ben, comment ça? Bon, d'accord. Donc, je ne suis pas retenu. Allô? Allô?